Aujourd'hui, je vais essayer de construire une mangeoire à oiseaux. Donc, j'ai pris des petits morceaux de bois que vous connaissez tous, des caplas. Mon fils a bientôt 16 ans, donc il n'en a plus besoin. Vous me connaissez, je fais des choses avec des matériaux de récupération. Donc, j'ai coupé des caplas pour les mettre, comme vous voyez, en cercle. Un ami m'a donné une plaque en bois. Je le remercie dès maintenant, puisque vous voyez, je m'en sers. J'ai coupé des petits caplas un peu plus petits pour après les mettre ici, comme ça. Vous voyez, je vais les mettre comme ça. Voilà, et bien évidemment, le socle et ceux de dessus seront cloutés sur cette planche. Donc voilà, je vais aller maintenant couper ma planche aux dimensions de ce cercle où avant j'ai bien évidemment pris la dimension pour que je puisse couper. À tout à l'heure. Voilà, donc les caplas sont cloutés sur la planche de bois. Par contre, je n'ai pas réussi à clouter cela comme je voulais le faire par le dessous. Je n'y arrive pas, donc je vais les coller avec une colle à bois. Mais je ne les colle pas tout de suite parce que j'ai tronçonné des petits tronçons de bois que je vais mettre ici, comme ça. Voilà, et je vais faire une deuxième, comme le socle, je vais faire une deuxième fois la même chose pour faire le toit. Je vais poser comme ça, ici, comme ça. Une fois collé, les oiseaux pourront venir ici et ça fera ici. Je n'aurai plus qu'à mettre les petites graines au milieu, hein, faire un trou ici pour passer une ficelle et pouvoir le fixer dans un arbre. Donc voilà, donc je vous le montre une fois terminé. Bon, voilà, c'est fini, vous voyez. Voilà, j'ai mis un petit clou ici pour accrocher une petite boule de graisse. Voilà, donc j'ai mis les petites graines pour les petits oiseaux. Donc je vais vous faire voir tout à l'heure si les petits oiseaux vont arriver. Donc je l'accroche. Je pense que comme ça, ça va aller. Donc j'ai fait ça aujourd'hui parce que il pleut. On est pourtant fin juin en été, mais en Normandie il pleut. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai fait ça une après-midi où j'avais rien à faire, où le temps était vraiment pas beau. Voilà, à bientôt.